Stritos, hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la patate. On voit derrière, j'ai mis une affiche mais on la voit pas trop. D'ailleurs je pense que je vais la bouger avant de lancer le stream, ça va être chiant sinon. Attendez, je vais aller bouger ça. Ça me convient mieux quand on n'a rien derrière, les amis. Donc, on est parti. On va se faire notre petit Spider-Man, les amis. On va faire ça tranquillou, bilou, tout ça, tout ça. On se presse pas comme d'habitude. Je vais nous mettre le chat. Histoire de vous avoir. Tchac. Le petit chat. Nickel Chrome. Et on se lance notre incroyable Spider-Man. Rien de mieux qu'un petit Spider-Man, les amis. Nous, on kiffe ce jeu. Donc, bien évidemment, on y joue bien. Hop. Hello, 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 comment tu vas, Orvn? Je sais jamais comment prononcer ton nom. Excuse-moi. Je suis une vraie teub. Je t'autorise à m'insulter. Donc on est parti. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez la forme, tout ça, la patate. C'est reparti, je pense, pour une heure et demie. Orvin. Ouais, excuse-moi, c'est... T'avais pas. Bon, moi, je préfère que tu me le dises. Comme ça, je refais pas de faute. Orvin ou Orvain? Maintenant, telle est la question. Faut que je m'occupe de cette alarme silencieuse à la salle d'enchère. Ok, alarme silencieuse. C'est vrai que j'avais pas trop bougé, là. Parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Hein. J'avais fait que cette petite zone, là. Avec tous les trucs, là. Il me reste tout ça. Aïe, 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 aïe. Bon. On va se mettre la tour, là. Hello, Nero. Comment tu vas? J'espère que vous y avez la patate.
Regardez-moi ça, cette beauté. Oi, 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 oi. Ça tue sa race. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est incroyable. Regardez les détails du costume et tout. Attends. Comment on fait pour moi? Oh, je trouve que c'est un truc de ouf. Bah, ça va nickel. Ça roule ma poule, comme on dit. Les détails. Puis il y a des petites lumières bleues là. Attendez, je passe à travers son corps. Qu'est-ce que c'est, les petites lumières bleues là? Ça, ça doit être ses gants là, à droite et à gauche là. Les lance-toiles qui sont peut-être connectées. Non, mais les détails. Même les semelles et tout. À toutes les unités, accident. Voiture signalée, des civils ont besoin d'aide. Non, faut que je teste un truc. Je ne t'ai pas vu qui était fait. Yes. Ouais, j'ai dû filer au labo. Une séance photo, ouais. J'ai envie de me foutre sur un endroit pour faire une petite photo. Je voulais te dire à quel point tes mots ont compté pour moi. Je me demande toujours si je fais ce qu'il faut pour toi. Oh, arrête, ton père. Après avoir perdu mes parents, le Ben. Tellement de fois où j'aurais craqué si t'avais pas été là. Eh bien, c'est valable dans les deux sens, Peter. Je me fous sur un endroit cool. Je tenais juste à ce que tu saches. Mais je sais pas quoi te dire. Vous les mettre sur le... Je crois que Monsieur Lee a voilà. Regarde, je dois y aller. À plus tard. On est bien. Je serais cool qu'il se tourne, mais moi il veut aussi. Pas. On se met le mode photo. Tac. Oi, oi, oi. Moi, je trouve ça en jette. Type de filtrage, tatata. Pas mettre d'emote. Pourquoi là on peut pas mettre d'emote? Et là est-ce que je peux mettre une emote? On peut pas encore mettre de tout ce qui est emote et tout? Orbite, selfie, ah voilà. Concentré, furieux, fuit. Oh là, oh là là. Ouais, oh attendez. À toutes les unités sur place, on nous attendez, faut que je re-regarde en me foutant un petit peu en hauteur. J'ai un endroit où je veux aller. Attendez. Empire State Building. Scorp. Alors, je vais me foutre un peu plus haut là. Sur le bâtiment. Là. Pourquoi je trouve pas le bâtiment où je veux aller? La dernière fois, je vous ai dit je vais aller là. C'est pas cette tour là-bas. Ah! C'est bon. Je sais où je veux aller. Oh. Yeah, mon crash. Crash qui se remet doucement du DLC Noto Hero de Chris sur R7. Alors que quand tu le fais pour la première fois, le DLC est assez intense. À toutes les unités, 10-34. Attention, attaque en cours. Signalement à cathédrale. Ouais, la première fois, oui, c'est... C'est chaud, c'est chaud. Moi, tu l'as fait en un épisode, c'est cool. Ah, et plaisir. Regardez, on va aller... J'ai aucun raison. Je dois trouver d'autres tours à activer. Nous, on va aller là. La tour des Avengers est trop cool. Mais ils s'en servent pas beaucoup. Je crois qu'ils sont sur la côte ouest en ce moment. Sûrement en vacances, à surfer. À toutes les unités, civils piégés dans des véhicules à la suite d'un accident. Ouais, comme ça, je passe à un autre jeu. C'est ça, exactement.
Ce jeu se mêle la tour des Avengers. En plus, on a un sac à dos, attendez. Ouais, c'est cool, tu peux passer à un autre jeu. Enfin, c'est toujours une satisfaction, hein. Je sais pas si ouvrir ça libérerait vraiment Sandman, mais j'ai aucune envie de tenter le diable. C'est cool quand on finit un jeu. Il y a des fois, pour certains jeux, je le seum un peu. Genre, quand j'ai fini Metro Exodus et les DLC, j'avais le seum quand même. Là, les amis, on se met dans ce sens-là. Tac, bam. Vous mettez en mode selfie, et là, faut bouger la caméra. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer les tenues. Comme ça, vous pouvez changer les petites tenues si vous voulez faire... Oh, elle est pas celle-là. Si vous voulez faire des petits trucs sans aller changer les tenues dans les interfaces et tout. Moi, franchement, je trouve ça incroyable. C'est trop beau. Ah! Là, on est bien. Trop beau, franchement, moi je kiffe. Juste regarder la ville, je kiffe. C'est bon, un petit short, ouais, je ferai sûrement ça, je vais noter à peu près le time code. J'en ai prévu pour jusqu'au 6 ou 7 avril, je crois, des shorts. j'en ai fait quelques-uns. Bon, du coup, j'ai aucune tour là à côté. Vas-y, je vais aller me faire une petite tour là-bas. Moi je dis, on va passer grave de temps sur Spider-Man. Parce que je vais vous faire le jeu et je vais vous faire les DLC aussi du coup. Après ça, là, une petite musique, ça peut se rajouter par-dessus. Une petite musique, ça... Ça peut toujours se rajouter par-dessus, bien évidemment. De toute façon, moi je les timecode et après moi je fais mes shorts plus tard. Donc là j'en ai prévu pas mal, à chaque fois que je fais un short, enfin un live rajoute des shorts. Là j'en ai prévu pour jusqu'au, ouais je crois que 17 avril il me semble que j'en ai là. J'en ai quelques-uns. Ah non, on n'oublie pas les DLC bien évidemment. Bien évidemment, il y a 3 DLC à faire, donc on les fera tranquillou bilou comme on dit. On va aller faire le crime. Ils font des crimes en bande organisée. Zbram. Fais dodo. Non, c'est honteux. Moi, mon DLC préféré, c'est celui avec Sable en plus. Oi, oi, oi. Non, mais je suis désolée. Silver Sablinova.
Au moins, fils, tu connais tous ces dealers en laisse. Oh, mais attendez. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que... Il me manque? Cool. J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Ouais, bah moi, je fais des photos floues, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour être photographe, hein, je suis là pour être Spider-Man. Il y a tellement de trucs à faire, les amis, je sais même pas combien de temps on va passer sur le jeu. Hein. Après, si je fais des lives de 2-3 heures à chaque fois, franchement, ça va. En vrai, de vrai... Une agression. Devinez ce que je pense des racketeurs. Ça s'explose, ça tout de suite. Jamais vu Spider-Man aussi près. Mince. Comme ça fait plaisir d'avoir fini R7, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais moi j'y retourne à ce jeu à chaque fois. Je vais m'empêcher. Je l'aime trop pour ne pas y retourner. Même en connaissant le jeu. C'est pas de le faire genre en une heure, deux heures quoi. Une bonne raclée vous apprendra. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas passer les cinématiques. Donc quand t'as déjà fait le jeu, t'es obligé de te retaper toutes les cinématiques. Ah, des fois, je vous skip du coup. Mais je peux pas skip les cinématiques parce qu'on ne peut pas skip. Franchement, c'est dommage. Ambassade de Simcari. On dira pas un peu le drapeau du Mexique. À toutes les unités, même couleur et tout. Une vente de stupéfiants en cours. Besoin d'effectifs à l'intérieur, répondez. On a un crime. Il est loin ou pas? Là-bas, fais chier. Il est loin. Ça me fout des crimes à je sais pas quelle... Je sais pas quelle distance là, putain. Heureusement que je suis Spider-Man. Bonjour. Coucou Spider-Man. Hop. Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça? Pas besoin de toucher le sol pour Spider-Man. Je vais les perdre. Merde. Il faut que je me dépêche. Bonjour. T'as qu'à me déposer à la prison. Dis ça comme ça. Hop là! Non, le drapeau du Mexique, il est... Le drapeau d'Italie, c'est les bandes c'est comme toujours nous. Un plaisir de faire capoter. Donc vert, blanc et rouge. Et le Mexique, c'est comme ça. Ça y est, la police est en route. Et moi aussi, du coup. Ah non? Non, non. Même le drapeau du Mexique, il est comme ça. Le drapeau du Mexique, il est vert, blanc et rouge, et il y a un logo au milieu. Il y a une espèce de rond au milieu. Allez, super. Mais là, c'est juste qu'il est dans le sens inverse. Comme nous, avec, je crois que c'est le Pays-Bas. Pays-Bas, il y a les mêmes couleurs que nous, mais du coup, c'est dans l'autre sens. Un peu comme l'Allemagne et la Belgique, quoi. J'espère vous connaissez vos drapeaux. Hein. Il y avait le drapeau du Venezuela. Reno on a pas. Failli avoir ma peau jusqu'à ce que je brise. J'ai une gueule à savoir le drapeau du Venezuela. On a le drapeau breton. Vive la Bretagne! Représente le Queen Yaman! Représente la team beurre de micelle! Oh là là! Pourrait me nourrir de beurre de micelle avec des petites crevettes dessus! Les patrouilles, on signale un vol. Les individus seraient armés. Besoin de fuir vers Plate Iron, terminé. Putain, mais on peut pas parler de ces crevettes tranquilles là? On peut pas parler de beurre de micelle et de crevettes. Décidément. Les gens n'ont donc plus aucun respect. Nous nous réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là.
Venez, viendre. Viendez. Ouais, au bout d'un moment, faut crever. Non, non, il meurt jamais. Risque à faire ressortir toute la vermine des bas-fonds. Ça roule, Crash, pas de soucis. Ouais, faut que je me fasse 2-3 tours parce que sinon ça va jamais rien me détecter dans les zones. Donc faut que je me fasse 2-3 petits tours, les amis. Je me fasse quelques petites synchros. Après, on va quand même s'entrecouper avec la mission de MJ, hein, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez sûrement pas. On va pas faire que faire des promenades. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. On est là, de toute façon, pour profiter. Nous, on aime bien prendre notre temps, surtout sur un jeu comme Spider-Man. Moi, je kiffe. Je kiffe ce jeu. On fera sûrement Miles Morales, du coup, plus tard. Comme je fais pas tout à la suite non plus. Capitaine Watanabe a fini par me donner son numéro en signe de confiance. Elle risque gros. Si on découvre qu'elle m'aide, elle perdra son poste. J'ai débloqué une compétence. On va prendre ça. Donc il y a des trucs, c'est grave, plus loin là, on pourra mettre des coups par terre. Projection, nanana. Il y a plein de trucs, mais... Et plus tard, c'est plus tard. Oh, on a un petit spider drone, mais c'est plus tard qu'on pourra l'avoir. Ok, c'est bon, je me rappelle. Réduit les dégâts infligés par... Peut-être mettre le pare-balles. Voilà. À toutes les unités, cambriolage signalé. Le signalement a eu lieu dans German District. Terminé. Bon. À chaque fois que je veux faire un truc, il y a genre un truc criminel, des trucs comme ça. Et les risques du métier, comme on dit. Il a pas vu venir. Voyez le bon côté. Si je vous avais laissé entrer, votre peine serait beaucoup plus longue. Aïe 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 aïe. Mais quel plaisir en tout cas de jouer à ça, un petit jeu comme ça, franchement. Pionnet, faut que je m'occupe de cette alarme silencieuse à la salle d'enchères. Pionnet, les toits de la ville, ok. On gagne des petits succès. Je sais qu'il faut que j'aille faire l'alarme, je sais. Mais il faut aussi que je fasse quelques petits tours. Et surtout que quand on fait les photos de bâtiments et qu'on récupère les sacs à dos, bah après on peut se faire des tenues et tout. Je vais vous montrer, attendez. Regardez. Quand on va là. Donc ça c'est tenue avec les DLC et tout ça. Hop. Donc vous voyez. Donc jetons de sac à dos. Et on peut se fabriquer du coup des tenues. Vous voyez, regardez, par exemple, tac, boum. Mince. Regardez, on peut le faire lui. On va le débloquer lui, regardez, comme ça on en débloque. Par contre, j'ai envie de me...
Qu'est-ce qu'on va se prendre? J'ai envie de changer un peu de tenue. Juste pour quand on va se promener un peu là. Mettre lui. Voilà. Comme ça, on va changer de tenue une fois de temps en temps, les amis. Ça va nous changer un petit peu comme ça. Daily Bugle. Un excellent journal. Surtout depuis que Jameson est parti. Monument à Midtown. Bon, je vais faire les tours qu'il y a là. Je vais tout faire cette petite zone. Donc, la zone là, là et là. Ça là. Tchac. Ce gros rectangle. Et après, je vais aller faire du coup la mission avec MJ. Normalement, quand j'ai joué solo, je faisais toutes les tours avant. Et après, je faisais tout, et après, je faisais toute l'histoire. Ah ouais. Heureux, crash, heureux. Donc là, par exemple, vous voyez sac à dos et monument. Donc, je vais faire toutes les petites tours. Là, j'en ai trois. Enfin, là, j'en ai deux et une là. Tout, j'en ai trois à faire, plus tout ce qu'il y a à récupérer. Et après, on fait la petite mission avec MJ. Je dis pas ce que c'est, vous découvrirez. Possible trafic de drogue en cours. Ah, on a un trafic de drogue. Le signalement provient de Clinton. Terminé. Ah oui, parce que les... Le trafic de drogue s'est intensifié depuis que Fisk est plus là. Je peux pas laisser comme ça. Bonjour, vous avez une ordonnance pour tout ça? VHS, ça commence à devenir intéressant. Allez, tirez! Mais comment il peut se battre? Je vais te chercher en bas! Lance-toi, hop! Hop, le jeter du toit. Je suis entoilé. Moi, ce qui me fait planer, c'est d'empêcher les criminels de dealer. On a tellement de trucs à faire, je vous jure. Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs quand la police arrivera. C'est un truc de ouf. Franchement, ce jeu, quand je l'avais eu, quand mon père me l'avait acheté à l'époque, quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh. Waouh. C'était genre un peu une claque, quoi. Ah, c'est le brouilleur que j'ai bricolé pour détraquer les ailes de Vulture. Dommage qu'il les ait améliorées après. Franchement, ce jeu, vrai masterclass, hein. Pour ceux qui sont pas forcément fans, hein, moi, vous voyez, je suis pas genre la plus grosse fan de Spider-Man, j'aime bien et tout, hein, les jeux, tout ça stylé et tout. Donc je suis pas vraiment une fan quoi, j'aime bien comme ça un petit peu. Mais du coup franchement... je vous conseille de le faire hein. Y'a pas besoin d'être fan pour le faire hein, franchement. Avec cette fiole de sang de Lizard, j'ai pu concocter un remède et redonner au docteur Connors sa forme humaine. Dommage que ça ait pas duré. Mais c'est un très très bon jeu que je vous conseille. Miles Morales, je le conseille un peu moins parce que je trouve que c'est trop cheaté les pouvoirs de Miles. On sent un petit peu n'importe quoi les pouvoirs qu'il a pour ceux qui ont déjà joué au jeu ou qui ont vu des vidéos sur le Spider-Man Miles Morales. Les pouvoirs qu'il a dans le jeu, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Ouais, j'ai quand même bien aimé le jeu dans le truc où le jeu il reste quand même très très beau hein.
Les pouvoirs... Ouais, il est plus court, il n'y a pas de DLC, il est plus court. Et je trouve que ses pouvoirs, c'est un petit peu n'importe quoi, sincèrement. On soit honnête. Les pouvoirs de Miles, je trouve que c'est n'importe quoi. Madison Square Garden. Eh ben, la moitié des tours de surveillance sont déjà réactivées. Quand l'inspecteur Spider est sur le coup, quels que soient les obstacles, résultat garanti. Non. Non. Elle refusait de l'admettre. J'ai pris une balle. Merde, j'ai coupé le dialogue. Bon, c'est pas grave. Puisqu'on a fait des toupies. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Wouhou! 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 Oh, mais en tout cas, le Miles Morales, j'ai bien aimé, mais beaucoup moins que le premier là que je suis en train de faire actuellement. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Le jeu, il y a eu un mini crash. Trop chelou. En tout cas, ouais. Je crois qu'en fait, Spider-Man, il aime pas quand je parle mal de Miles Morales. Attention. Il va me casser la gueule. Les araignées, je crois même pas. Attendez. Ah! Ah, écoute, je ferai le 2, moi, quand il sera un jour sur PC. Quand il sera un jour sur PC, je le ferai. J'ai regardé aucune vidéo, j'ai juste vu 2-3 trucs, hein. Avec Venom, Harry Osborn, tout ça. J'ai vu 2-3 trucs, mais perso, je me suis pas spoil le jeu. J'ai juste regardé vite fait 2-3 trucs comme ça, juste pour voir visuellement ce qu'il donnait. Après, il y avait tout ce qui était trailer et tout, bien évidemment, que j'avais regardé, hein, ça va de soi. Mais j'ai vu des petites vidéos avec Harry, Venom, enfin, j'ai capté. J'ai récupéré des pièces bien cool sur ce portable. Il y a des trucs que j'ai vu que je vais pas dire parce que c'est du spoil et tout. Pour ceux qui ont vraiment rien vu du tout. Moi j'ai vu des petites choses importantes pour le déroulement du jeu, on va dire. Je suis en train de me rappeler un peu toutes les missions qu'on a à faire, et en vrai... Je voulais commencer sur Spider-Man, mais j'ai pas pu continuer. Il était gratuit au début, mais quand je l'ai téléchargé sur ma PS4, et quelques jours après, il est redevenu payant. Oh merde, les boules. Ah merde, fait chier ça. Dommage. T'avais bien aimé, Nero, ou ben? C'est vrai que si t'avais bien aimé, c'est quand même dommage. Ah, franchement, il est vraiment cool. Ah ouais, là, il y aura un truc de fisc. Ah oui, du coup, t'avais pas pu le finir. Plus continuer ni rien. Tour fisc. Un sac à dos. Monument Hell's Kitchen terminé. Je vous dis, on fait vraiment genre, on finit cette zone là, on fait la dernière tour aussi qu'il y a là, et après on va se faire la mission principale. Cet
article mettant sur mon dos l'assassinat de flic par Electro a été la goutte d'eau. Je pouvais plus valider les mensonges de Jameson en lui fournissant des photos. Cadeau trouvé, 34 sur 55. On a fait plus de la moitié, du coup c'est cool. J'ai commencé à live dessus. Nice. Ah, j'ai supprimé tous mes lives. J'avais fait déjà Spider-Man. C'était pas la version remaster ce que j'avais fait. J'ai fait le jeu plus tous les DLC. Ouais, j'ai fait tous les DLC. Thèse sur les neurotechnologies. C'est ce qui m'a valu mon premier boulot avec le docteur Octavius. Oui, je sais, t'inquiète, Crash. Juste que moi, j'ai vu 2-3 trucs, du coup, c'est qu'ils... ils peuvent spoil, du coup. Après, si vous avez la possibilité de le faire, si vous êtes sur PS5, n'hésitez pas, franchement. C'est, d'après les images que j'ai vues et tout, c'est un très bon jeu. De toute façon, quand on voit les précédents opus du jeu, ça ne peut... qu'être un bon jeu. Donc foncez. Ça vous tente. Ouais, moi sur ma PS4, du coup, j'ai la version non remaster. Attention. Du coup, j'avais la version boîte à la base, que j'avais fini par revendre. Et je l'avais racheté un jour. Voilà. Et ouais, nous on a la version non remaster. Bah, je préfère la tête de Peter dans la version non remaster. Là j'aime moins dans la version remaster, j'aime un peu moins la tête de Peter. On a sac à dos pas loin, c'est cool. Je préfère la tête de Peter avant dans la première version du jeu. Midtown, on a une couverture complète. Nickel chrome. On a encore plein de trucs à faire. Dernier match auquel oncle Ben m'est emmené. Il faudrait que je l'encadre. Ses conseils me manquent. Ok. Du coup, je les mets sur mon zéro, ça sera mieux pour moi. Ouais. Enfin, ça sera mieux, ouais, de le recommencer à zéro, carrément. Là, si tu reprends et tout, tu seras un peu paumé. Du coup, les gens, peut-être, qui avaient pas vu que t'avais fait le jeu, tout ça, bah, ils se diront, bah merde, du coup, où est le début? C'est mieux pour tout le monde, pour toi et pour les gens qui peuvent regarder. Donc si tu le fais un jour, ouais, vaut mieux reprendre dès le début. T'as raison. Mais pourquoi j'arrive pas à le prendre? Ah là. J'avais presque oublié avoir acheté cette boule de neige pourtant, mais si j'aime autant cette ville, trop stylé. C'est sûrement grâce à elle. J'adore avec le pont qui fait le tour et tout, moi aussi je veux ça.
Je l'ai fait ce... Je l'ai pas fait ce truc. Hop. Oui, il y a le drapeau de la France. Ah oui, on est là. Regardez, il y a notre drapeau. La France, la France. Il y a la France. C'est nous, c'est nous. La télé, la télé. La télé, la télé. Voilà. Venir. Nouvelle France. Nouvelle France. Décroche-toi. Oh, on peut voir. Attends, il y a quoi dans l'appart? C'est bizarre la table, attendez. Quoi cette table bizarre là? C'est une demi-table. C'est une demi-table. Le reste est de l'autre côté. Là on a une demi-cuisine. Regardez. Une demi-cuisine. En plus là c'est des portes qui se... Attends mais c'est des portes qui se... rejoignent. Des portes qui se rejoignent, donc il y a deux frigos, deux gazinières, deux éviers. Ambassade de Wakanda. Oh, Wakanda Forever. Grande centrale terminale, on aura une mission à faire là en plus. Plus tard, on aura une petite mission. Ouais, c'est une mini cuisine, une demi cuisine. Vous savez, les petites cuisines, genre des Playmobil ou quand on est enfant et tout là. Une toute petite gazinière avec les fruits, les légumes en plastique et tout là. Je sais plus si j'avais ça quand j'étais petite. Non, moi quand j'étais petite, je voulais un garage de voiture. Et je sais pas pourquoi, je n'osais pas le demander à mes parents, alors que mes parents, ils nous achetaient, à moi et ma sœur, tout ce qu'on voulait. Mais comme c'est pas le genre de jeu que normalement on voit pour une petite fille, du coup, j'avais peur que mes parents, ils trouvent ça chelou. Alors que pas du tout, en vrai. Quand j'ai demandé mon garage de voiture, mes parents, ils m'ont acheté mon garage avec mes voitures. Et moi, j'étais trop contente parce que j'avais plein de voitures et j'avais un putain de garage et tout. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'étais heureuse avec mon garage et mes voitures. Je me rappelle encore de comment il était mon garage. J'ai jamais fini cette candidature au Coffee Bean. J'aurais gagné un peu plus que maintenant. Il s'appelle Parker Peter Benjamin. Il est quand même allé à l'Empire State University, hein. Un truc en biophysique, il aime le café. Il est très efficace avec les ordinateurs. Il adore aller à ce café-là. Pourquoi tu aimerais travailler au Coffee Bean? Il a besoin d'argent. Non, les gens... Beaucoup de gens lui disent qu'il est gentil. Et friendly. Bah écoute, c'est un gars friendly. Comme on dit, c'est l'araignée sympa du quartier. Mais monument de Midtown terminé, normalement les sacs à dos. Ici, dans toute cette zone, on a fini. On est à peu près à la moitié de la map. Regardez. Ouais, bah on a fait la moitié de la map. C'est cool. C'est quoi? Je vais faire cette tour-là. Je vais juste l'activer au passage. Et comme ça, après, les amis, go faire la mission avec MJ. Là, ça fait déjà 3/4 d'heure que je tourne sur la map. Et que j'avais encore fait 0 mission. Ça va être de l'infiltration. Allez voir, c'est pas mal.
Vas-y, on va aller faire la mission maintenant et on fera la zone plus tard. On va faire la mission maintenant. Pour cette mission, nous allons changer de tenue, les amis. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Ah, ça, c'est avec des lunettes, non ? Ah. Il a disparu. Qu'est-ce qu'on se met ? Vas-y, on va se mettre elle parce qu'elle est drôle. Yori a dit discrètement. Mieux vaut passer par derrière. On va se faire une petite sauvegarde, j'aime bien faire des petites sauvegardes manuelles. Du coup on est à 19%. Ça fait 4%, wouhou! Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yori, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. Oui, chef, oui. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. C'est d'honneur ! Hop. Check. Ils ont l'air si mignons en mitoufle comme ça. Pourvu que ces types ne cherchent pas à s'emparer du territoire du Kingpin. J'espérais au moins avoir un week-end de libre. Non, Spider-Man, il prend pas de vacances. Je devrais le piéger d'en haut. Zbim. Sois sage maintenant. Quelqu'un approche. Ils vont me voir ici. Confiance a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. C'est sûrement elle qui a le dossier. Ok, on est discret, les amis, on est discret. Oh. Dites-moi, où est-elle? Yanjing Zendadian, Yo Kaila. Mais je sais. C'est quoi ça? Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, hey, Peter. MJ ? Qu'est-ce que tu fiches ici ? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle ? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi ? Je t'explique. On est parti. 15 minutes plus tôt. Bon, le temps qu'on arrive, ça fait plus de 15 minutes. Hein.
Je peux vous aider ? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop, un truc sur la toile expressionniste. Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig, laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Elle faisait jour qu'elle achetait un... familiariser avec les articles. Elle faisait jour qu'elle a plein de numéros. D'accord. Oui, chef, oui. Des sabres. Katana, 14e siècle. Fisk a ouvert Peter en deux avec ça la première fois qu'ils se sont battus. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Qui a roulé à la main 20e siècle. Sim Carey. On n'en a pas parlé aux infos. Silver Sablinova. Ah bah vous êtes toujours vivant mon Dites-moi chat. Dites-moi quand vous voudrez commencer. Ça marche. Bah je veux commencer. Tout d'abord la pièce maîtresse. Un Baku Kakiemon unique. Oh magnifique. C'est un Mifune? Exact. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous le connaissiez avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Oui, d'accord, madame. Je te suis, hein, mais... T'aurais dû mettre un pantalon encore plus court, meuf. Je veux bien te suivre, Maros, mais... Bouge un peu. Bouge ton cul. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux Nio sont très imposants. Je comprends que Fisk aime cette pièce. C'est tout à fait son style. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui ? Non. Non. Bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. Regardez les fines incrustations dorées de ce service à thé rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Et si nous prenions la photo de couverture tant qu'on le peut? Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Pas mal de plein de photos de ses pieds. Mettez-vous là. Monte tes pieds, meuf. Rero, comment ça va depuis tout à l'heure, depuis ton petit live sur ton petit jeu bien sympathique? Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi, au sujet des activités de Fisk? Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... C'est pas vrai. Des fois, ça arrive que ça soit calme, mais on commence à avoir l'habitude. Oui, on a l'habitude. Waouh, je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. C'est bon. Craig, je te rappelle. Ça va, ça roule ma poule. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet. Et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Je me dépêche. On cavale. Franchement, il a fait un bon petit jeu. Petite découverte, franchement, très très sympathique. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois,
Je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est ton assistant, cher? Il va avec des énigmes de fou. Ouais, franchement, les énigmes, c'est ouf, hein. Non, je doute que tu puisses régler ça. Eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Et ensuite, je vais m'arranger pour te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Bien sûr, Craig. Ok, bouge. C'est ça. Je ne te crois pas. Hop. Ouais, franchement, niveau... Mais les images et tout du jeu des héros qu'il a fait, franchement, petite pépite. Super beau. Des petites musiques et tout, les sons, tout ça, franchement. Je ne te crois pas. T'es capable de me croire alors, connasse. Introduire dans le bureau, bah je veux bien moi. Bien sûr, Craig. C'est ça. Bon là, normalement, je suis censée être grillée, hein. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Pourquoi la police l'a pas pris? Je sais que cette statue s'ouvre. Ouais, ouais, tout est fait à la main. Et ça, c'est cool, hein, franchement. La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée. Bras gauche en bas. Paume droite en avant. Bouche fermée. Paume droite en avant. Peut-être que ces trucs bougent. Yes, et regardez. Quelque chose. En plus, on avait une image derrière. Donc il a la bouche fermée. Et normalement, il a un bâton dans la main. Il tient quelque chose. Lui à moitié en triangle. Renero. J'ai déjà vu ça. Donc ça serait lui, je pense. Donc. Tac. Voilà. Tic. Boum. C'est bon, je me suis bien rappelé du mon petit truc. Tchac. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... J'ai tellement trahir de jeu que du coup, je m'appelle de limite de tout. D'ouf. Ah, franchement, le petit jeu des héros. Monsieur, non, vous ne pouvez pas. Bien beau. J'aime pas ça. N'hésitez pas à aller voir son dernier live, du coup, les amis, pour ceux qui veulent checker. On est du jeu comme ça. Ouais, c'est dommage, hein, franchement. C'est dommage que des jeux comme ça passent inaperçus parce que c'est tellement beau. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes? Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Est-ce que... Elle a changé de bouton? Oh, c'est pas le moment, Peter. J'ai le dos! Oui, d'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. N'ayons... Les dodos! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
tu te cherches. C'est bon, Peter. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient? Ce type veut la soirée. Hop. Des notes sur le souffle. Ah, mais des fois, il y a des petites masterclass au niveau des jeux vidéo, souvent des jeux indés, hein. Qui reste inaperçu, c'est trop dommage. Fisk en avait peur, on dirait. Il la compare à une boîte de Pandore. Il en faut pour effrayer Fisk. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Là, le jeu que fait Hero, franchement. Bon, la salle est sûre. Ok, ils sont là. Là, on en a un. Et voilà. Quand intéressez-vous sur ce, pour ceux qui sont sur PC, tout ça, à tout ce qui est jeu indé. Franchement, je dois rester discret. Vous pouvez tomber sur des jeux vraiment super sympas. C'est vrai que j'ai tendance à garder pas mal de jeux pour. Pourquoi je suis hors live? Lâche-moi! Angie! Arrêtez! Non! Cache-toi! C'est pas bien de prendre des otages, les gars! Wow! C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? Mais vous êtes des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi! Enfin, j'ai affronté des spectres! Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes! Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Allez, ouais. viens dé. C'est une histoire d'énergie plutôt que de fantôme. Tant pis, Ziard combattra un fantôme sur ma liste d'objectifs. Oh, Dieu. Tiens, dodo. Obtenir un jalon de combat niveau 1. Un jalon de combat? Ah oui, ok. Oui, ok. C'est moi qui suis bête là, j'ai pas capté. Ah! J'étais en train de chercher où ils étaient, parce que putain. Eh ben, c'était sportif. Ah franchement, ces petites répliques, c'est drôle. Il est rigolo, Peter. T'as même un truc plus tard, je crois, si je m'appelle bien. Ça a l'air ancien. Peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Un truc de combinaison. Je verrai ça plus tard. Je crois qu'il lui fait des blagues. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter ce qui s'est bien frappé. Alors dites, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Pimzik. Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Charles donne pas d'heure et tout. Vous allez voir quand on ira chimique. Petit truc. Sympathique. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée. Mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes. Les meilleurs de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben,
En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi ? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis ? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi ? Tu l'as eu finalement cette promotion ? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter ? Eh bien, pour... Un simple dîner, entre amis ? Des amis ? C'est ce qu'on est pour toi ? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu ? C'est une question piège, pas vrai ? Sauvé par les sirènes. Sauvé par le gong. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés tous les deux. Attendez, y'a mon chien qui débarque. Salut. Salut beau gosse. Oh, tu reviens de dehors. Oh, aïe, aïe, t'es trempé. Oh, espèce de crasseux. Et t'y prends ta douche de l'autre nuit. Mon chien revient de dehors, il est trempé. Au secours. Au secours, tu sens le chien qui pue. Ouais, y'a eu cette nuit. Allez, fais dodo, mon petit chien qui pue. Hé, c'est moi ! Je viens de voir des unités sur la troisième ! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schulz est de retour. Shocker ? Il vient pas d'être... libéré sur parole ? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Il l'aurait ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après un tête-à-tête avec mon ex, que j'ai sauvé de criminels masqués, maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale de Peter Parker. Oui, rien de plus normal, on fait tout ça après tout. On passe nos journées à faire ça, hein. Ah, nouvelle tenue débloquée ? Visiblement nouveau, ils mettent. Tenue de Stark, regardez. Pas mal, hein? Et là, il faudra des jetons de recherche. Et les jetons de recherche, c'est plus tard. Oh, regardez. Ça, c'est plus tard parce qu'il nous faudra qu'on fasse des défis. Vous verrez. Il y aura des petits défis à faire plus tard. Pour l'instant, je vais m'améliorer ça. J'ai une compétence. Vas-y, on va prendre un truc. Je vais prendre ça. Ah, je peux en prendre deux points de compétence. Et nous foutons. Allez. Ok. Il y a un peu de... Ok. Eh ben, la moitié des tours de surveillance sont déjà réactivés. Les inspecteurs Spinner est sur le coup, quels que soient les obstacles. Résultat, garante... Non. Elle refusait de l'admettre. Mais... Beau gosse, hein. Il selfie et tout. Regardez, il y a les petits dans le vide. Ok.
Donc ça, la technologie. J'ai apprécié l'inspecteur Speeder. Sa manière désinvolte de bousculer l'ordre établi lui apportait une bouffée d'air frais. Et elle finirait par s'y faire. L'inspecteur Speeder. Capitaine, troisième émulation des silencieuses. Leur équipement est couvert de poussière. C'est juste une façade ? Je crois, ouais. Je vais aller voir ça de plus près. Ils croient que les chefs n'ont rien géré depuis ce temps. C'est beau, là. BM. Ta 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 ta. On m'appelle la tisseuse dans le milieu. Regardez. Parce que je suis l'inspecteur Speeder. Tu l'as pas vu venir. Là j'ai un défi, faut que je balance 10 trucs. Hop. Hop. Ah là moi je fais les défis. Hein. Je suis pas là pour rigoler les amis. Ah je suis à 6 sur 10. Pas d'autres trucs à balancer là. Ah si. Viendez. Regardez la street, regardez, hop, tiens. Arme-y. Ah, maintenant j'ai deux... Je peux remplir deux barres de concentration. Ah, je suis heureuse là. Oui, mais voilà. Il y en a d'autres ? Ah, je regrette, mais l'offre avec un donut gratuit vient d'expirer. Il n'y a plus de petits objets là à balancer. Voilà. La période des soldes, c'est pas avant début janvier. C'est pas encore le Black Friday. Spider-Man, ils ont réceptionné assez de ciment sur ce chantier pour construire deux gratte-ciel. Attendez, je vais deviner. Ils cachent de la drogue dans les sacs de ciment? Je crois bien. On aura besoin d'un motif valable pour accéder au chantier et confirmer tout ça. Je m'en occupe. Quand y'en a plus, y'en a encore. Poussez pas, tout le monde aura son câlin. Oh non. Frère, on t'aura mort ici. Puisqu'il n'y a pas de préférence. Et j'en ai pas toi comme un homme. Poussez-vous et tuez-le. Laisse-t'en te battre. Tu l'as pas. Des renforts. Je vous préviens, je mets mes toiles où je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Merde. Ça fait beaucoup de vagues, hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Je sais qu'il me kiffe, mais... Oui. Oui, aïe, aïe. Ça fait combien de temps? 1h15 qu'on est en live, putain. Le temps passe vite, les amis. Capitaine, les hommes de Fisk et tous les motifs valables dont vous aurez besoin vous attendent bien sagement. Bravo. Fisk croit tout pouvoir gérer depuis sa cellule, mais il va se rendre compte que les relations à distance sont souvent vouées à l'échec. Comme avec l'inspecteur Speeder. Allez, on va aller s'activer cette petite tour-là. Après, on va aller faire Shocker. Choc, 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 Shocker. Devenir un jalon de déplacement de niveau 1. On est en train d'avoir plein de succès.
T'as pas un succès genre ballerine pour faire des petites pirouettes comme ça là? Danseuse. Faire des petites pirouettes en collant. Poursuite de véhicule en cours. Direction Morningside Heights. Non, la situation n'est pas under control. Ils me disent Spider-Man, the situation is under control. Non, it's not under control. Yes, yes, yes. I'm here to save you. J'aime bien faire genre que j'ai pas d'accent en anglais. J'adore. J'adore. Est-ce que c'est under control maintenant? Il y a quand même 7 personnes sur mon live, hein, c'est pas mal. Hein. On a un 10-10, potentielle vente de stupéfiants. On a besoin d'agents sur place, à Bloomingdale. À Bloomingdale. Attends. Attends meuf, attends. J'ai un truc à prendre en photo. Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton ami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de moutons, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèbres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Beyblade, Beyblade, hyper vitesse. Bien. Ceux qui sont costauds, il faut 2 barres de concentration pour les faire. C'est toujours un plaisir de faire capoter une vente de drogue. Il vaut peut-être mieux que je sois ailleurs quand la police arrivera. Et elle est où la quête? Ok, elle est à plus de 3 km. Pas grave. On fait cette petite tour et on fonce vers la quête. Parce que c'est pas under control. Non, non, les choses ne sont pas under control. Sinon, je serais pas là. Non, Spider-Man, il n'existerait pas. Moi, je vous le dis. Oh. Sinon, on serait pas devenu une araignée sympa du quartier. Upper West Side, couvert. Couverture complète. Couverture complète. Couverture complète, c'est bon. On n'a pas le temps. Il y en aura encore une base. Alors, on va faire toute la petite zone, là, les amis. Hop. Après, on va faire la petite base de Fisk. Quand je pense à tout ce qu'on a à faire, oi. Oh, on a une attaque. Bon, bah, on va faire l'attaque. Je vous jure qu'à chaque fois, on a des trucs. À chaque fois, je dis, dernier tour, ceci, cela. On a un truc, on a des crimes. Une agression, il faut que j'intervienne. Devinez ce que je pense des racketeurs. Bah quoi? Ça vous amuse pas de vous faire frapper? Que ça vous serve de leçon. Alors cette fois on peut me laisser tranquille, finir les 3 petits trucs que j'ai à faire là-dedans. Normalement j'ai un sac à dos, un monument à photographier et une base de Fisk là. Ah
Mec, regardez-moi ça. Il faut que je me penche un jour sur un tissu qui absorbe les ondes sonores et lumineuses. Une combinaison furtive me serait bien utile. Ah non, j'ai juste à faire petite base là. Paire de fisc. Et après on fonce vers la mission. Yuri, cet endroit est rempli d'hommes de main de fisc, avec des bosses sous leurs vêtements. Enfin, je parle d'armes cachées, hein, bien sûr. Je peux pas intervenir juste pour des bosses suspectes. C'est qu'une intuition, hein. Mais je m'attends à des troubles à l'ordre public assez rapidement. Tout le monde sous-estime. Mais ça, un combo de 20... Trois ennemis touchés avec un échafaudage. Ce sera plus simple quand le boss sera sorti. Tout le monde, nous avons... Les dodo. Fumez-la. Là-bas, il y a un échafaudage. Qu'ils viennent là. Ils viennent là, c'est bon. Regardez, regardez. Regardez. Et là. Bam. On en a pris que deux, là. Merde. Et là, on en fait venir un là. Venez vous battre. Viens, viens, toi. Viens, viens. Allez. J'ai envie de péter tout court. Ouais, c'est le problème. Quand je vois plusieurs personnes qui courent vers moi, je me dis toujours que c'est pour me tuer. Et c'est souvent vrai. Oh, pété, broncher, il a pété, mais au secours. J'ai ça pour rire, moi. Un moyen facile de blanchir de l'argent. C'est peut-être là que Fisk garde tout son liquide. Il faut mettre fin à tout ça. On va lui mettre la pression. Je m'occupe du mandat. Déjà brûlé devant. Des nouvelles têtes. Ah, ça tombe bien. Je commençais à en avoir un peu marre des autres. J'ai pas réussi à prendre la truc. Plus d'ennemis. Ah, c'est beau cet attachement inconditionnel qu'ont ces types envers Oli. Au point de venir quémander des tatanes. Quémander des tatanes. Je vais le mettre. Ça me fait rire ça. Quémander des tatanes. Oh non. Vous avez des boucliers. Moi j'ai mes toiles.
J'ai pas d'assurance. Aux États-Unis, c'est trop cher. Je suis pauvre. Vos hommes ne rencontreront aucune résistance ici. Et Wilson Fisk continue d'enchaîner les déconvenus. Bien joué. Voilà. C'est fait. Vous voyez, on a fait tout ça. Il ne reste pas beaucoup à faire au niveau des tours, tout ça. Mais on n'a pas encore la possibilité des voyages rapides, les amis. Donc on va se promener un petit peu. On peut y aller à pied, mais non. Oui, non cadré, bah c'est pas celui. On va se promener à toile. Ah, je trouve qu'on va prendre la photo, c'est normal, non? Ah ouais. Chouette. Chouette, alors que mes photos, elles sont pourraves. Photo secrète, 2 sur 50. La première, c'est la statue de la liberté. Oh. Quelqu'un se fait agresser. Bonjour. Ah, c'est parti. Wesh. C'est quoi, c'est une manif, c'est ça? Gilone, ça recommence. Putain, les gilets jaunes, ils recommencent, les amis. Ah non, c'est les gilets jaunes et les agriculteurs qui sont alliés. Déjà? Décidément, les braqueurs, plus que c'était. Aïe, aïe, aïe. Je suis sûr qu'il y avait ceux qui votaient Mélenchon aussi qui ont fait une manif. Tu rigoles, hein? Tu rigoles. Car moi, aux dernières élections, qu'il y a eu, aux dernières élections présidentielles, c'est la première fois que je pouvais voter du coup. Parce qu'aux élections d'avant, j'avais genre. Je crois que j'avais 17 ans. Donc, du coup, je pouvais pas encore voter. Il fallait attendre 18 ans. Et du coup, bah, j'ai attendu 4 ans. Attends. Ah, j'ai voté aux dernières élections, du coup. Parce que j'avais l'âge pour voter. Vous vous rendez compte que si vous êtes une adulte, vous pouvez enfin voter. C'est pas beau ça. Je comprends tellement ceux qui veulent pas voter en vrai. Ah, j'ai voté parce qu'il y avait quelqu'un qui m'intéressait, mais sinon s'il y avait personne. Même. On va aller voter blanc, vous. Pour les stats. Pour un accident de voiture. Civil en détresse. Civil en détresse. Répondez. Joe Biden, il fait ça. Plutôt vilain cet accident. Il y a peut-être des blessés. Je suis là. Restez calme. Côté. Ah, il y a quelqu'un sur le camion. Hop, mon petit burrito. Les victimes sont hors de danger. Ils ont des secours de faire leur travail. Oui, they deserved it. Pas rien, chef. Je suis là pour ça. Spooderman est là pour régler les problèmes de la ville. Ah, encore une fois un problème avec le jeu. C'est bon. Mais parce que je l'ai appelé Spooderman cette fois. Tout à l'heure j'ai critiqué Miles Morales et là je l'ai appelé Spooderman, je crois qu'il aime pas trop le truc. Ah, j'ai envie de changer de tenue. Venez, on change de tenue. On met quoi? On met quoi comme tenue?
Moi, j'aime bien... Elle. On va mettre elle. Voilà. Porter 5 nouvelles tenues de Spider-Man. Trop bien sapé. Salut, Herman. Sérieusement ? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Ça fait une perte de temps. Wow ! C'est gentil de ta part. À quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste histoire de faire la conversation. J'ai rien à dire. Dommage ! Ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Oh, pardon, j'oubliais. Tu n'as pas de sentiments. Allez, Herman, parle-moi ! Que ça soit un minimum intéressant. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit... Arrêtez ! Parlez ! Figé. On repart. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça ? Tu sais bien que la police te surveille de près ! Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais... À ce point-là, ça devient criminel ! Faut vraiment être désespéré ! Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout de suite qui c'est ? Ou me forcer à te taper dessus ! C'est toi qui vois ! Allez, on se bouge ! Oh putain ! Ça m'a accroché à un mur ! Herman, t'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Et Spider-Man, déjà. Vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Wow, c'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Combat de choc. J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut MJ. Tu dors pas ? Je viens de regarder les infos. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Shocker ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? T'as tiré un service ? T'as toujours le masque de la galerie ? Chef, ouais, oui, chef. Bien sûr. J'allais justement au centre Fist pour en parler à Martin Lee. Martin Lee ? Pourquoi ? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool, tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Un petit décalage en dessous. Ok. Voilà, ta gueule. Ah, en fait, je suis bientôt 1700 heures de visionnage. Le jour se lève. Monsieur Lynn va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Monsieur Lee doit être à son bureau à cette heure. Ouais, je suis à quasiment 1700 heures de visionnage. Alors j'ai commencé il y a genre 3 mois. Man ! Toc toc toc, chef. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce.
Elle voudrait avoir l'avis d'un expert, et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Ouais, c'est nice. C'est cool, je suis contente. Merci pour ton petit jet, Crash. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. À plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Le moment où il va trouver son petit coin là pour s'endormir, mon chien. Allez, go! Bim! Masque. 1500 XP. Allez, gagné. J'ai du temps à tuer avant de retourner au labo. Spidey va en ville se dégourdir les pattes. Ah, j'ai une quête, du coup. Spider-Man, détective privé. Bah, c'est à côté. Donc, je vais faire la petite quête annexe. Comme on est à côté. Et qu'on a du temps. Je suis dégourdir notre petite patte d'araignée. D'araignée sympa du quartier. C'est juste Mary Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau, sans trop forcer. J'espère que j'ai pas froissé Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien et il admire ce dévouement que tu as pour les autres. Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Deux orphelins, deux brillants esprits. En tout cas, l'admiration est réciproque. T'as un chouette patron, tante May. Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Moi, je veux un hot dog. Oh, j'ai envie de manger un hot dog, moi. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Bon, hot dog, là. Et si j'achetais de quoi faire des hot dogs ? Carmen. Oui, oui, je vais bien. C'est mon mari, Rodrigo. Il se comportait bizarrement et je viens d'apprendre qu'il voit une femme. Oh là ! Je suis pas le mieux placé pour gérer les problèmes de couple. Non, non. C'est pas ça. Je crois qu'elle est liée à de mauvaises personnes et que Rodrigo est en danger. Il a peur, mais il refuse de me parler. Je peux aller jeter un œil. Oh, vous savez quand il est censé la retrouver maintenant. Ce soir, vers le centre de désintox à Greenwich. C'est noté. Ne vous en faites pas, Carmen. J'irai voir ce qui se passe. Allez au centre de désintoxication. Le centre de désintox est pas loin. Carmen m'a envoyé une photo de Rodrigo. Voyons s'il est dans le coin. Hein.
Minuit 16, ça fait 1h40 qu'on est en live. On continue un petit peu. Là, c'est Rodrigo. Il a l'air nerveux. Cette femme me semble pas être sa maîtresse. Je vais la prendre en photo. Peut-être que Carmen la reconnaîtra. J'espère que t'essaies pas de me rouler. Pourquoi je ferais ça? Mauvais angle, je devrais me mettre en face. Donne-moi les plans et tout ira bien. C'est bon. Parfait. C'est bon. Oublie pas, parle de ça à qui que ce soit et je publie la photo. Des plans? C'est peut-être plus grave que je le pensais. Je ferais mieux de suivre notre maître chanteur pour en savoir plus. Carmen, je vous envoie une photo. Cette personne vous dit quelque chose? Non, je l'ai jamais vue. De quoi est-ce qu'il parlait? Je crois qu'elle le fait chanter. Elle a mentionné des plans. Mon mari travaille à la sécurité d'un casino à Atlantic City. Elle organise peut-être un cambriolage. Mais il me faut plus de preuves avant de pouvoir agir. Dites-moi si je peux vous aider. Très bien. Je vais la suivre et voir ce qu'elle fait des plans. Je vous rappelle. Mordu de la vitesse. Bing. Une autre victime? Ou bien un complice? Complice, vous photo. Avez vu la dégaine. Aucun perchoir avec un bon angle pour lui là. Nouveau. Je vais devoir me placer sous la highline. Superbe cliché. Tu les as? Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a fui. Une autre victime? Ou bien un complice? Il me faut une photo. On commence. Ah non, non, aucun c'est pas complice, vous avez vu ça dégaine. Je vais devoir me placer sous la highline. C'est bon. Ouais. Dès qu'il a vu la photo, il a flippé. Rodrigo a jamais eu de cran. Le patron va être content. On va voir les plans. Oui. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et Yo-Yo, regardez. Bon, j'ai un train à prendre. Putain, c'est vachement bien fait les toiles, hein. Regardez-moi ça. Ça sera le plus grand. On dirait une main. Mais combien de personnes sont impliquées? Il faut que je le suive. C'est plus petit que je l'aurais cru. Où est-ce qu'il va? Si je me connecte au système du réseau, je devrais obtenir l'itinéraire du train. Parfait, on y va. Carmen, le maître chanteur a rencontré un homme sous la highline. Il avait l'air de connaître votre mari. Je vous envoie sa photo. C'est Deshaun, le meilleur ami de Rodrigo à l'université. Il a fait de la prison il y a quelques temps pour vol. Il a les plans d'un casino et un casier judiciaire? C'est pas le meilleur combo. Je dois découvrir qui d'autre est impliqué. S'ils visent le casino, il leur faudra au moins un chauffeur et un perceur de corps. Je regarde pas mal de films de braquage. Eh, je vois ça. Je vous tiens au courant de ce que je trouve. Oh, peut-être que je me concentre. C'est une ligne express? Je dois pas perdre ce train de vue. Ils ont dû se dire, c'est quoi ce truc qui pendouille devant eux, là? Je vais juste m'amuser au début. Vas-y. Vas-y. C'est le terminus. Je devrais me poster à la sortie du métro et attendre qu'ils sortent. Vous avez payé votre ticket? Police des fraudes. Il se dirige vers cet immeuble de bureau. Oh là là. Immeuble de bureau. L'ascenseur. Ça va viendre par là. Sur l'écran. J'ai mis nos hommes au tableau. Marque leur position sur la carte.
À cadrer. Vous avez pris Roman comme chauffeur. Voilà, une photo. Le gamin de mon frère. Il est rigolo. De toute façon, c'est trop tard. Il est déjà parti chercher le perso. Oui. Ok. Roman est prêt et on est à la bourre. Regardez. Ils se mettent en mouvement. Inspectrice en scie. Ouais, t'as vu? Ouais, ouais, c'est bon. J'ai toutes les preuves qu'il me faut. Moi-même, je suis aussi comptable. Tu as arrêté leur voiture. Je suis inspectrice, Spider-Man et comptable. Non, moi, c'est Spider-Man. J'aime pas quand il se met à faire des courses murales. On va voir qui va buter qui. Hop. Non. Enfin, Spider-Man, il les tue pas. Il les entoile juste. J'adore quand un plan se déroule sans escroc. Hey Carmen, le voyage à Atlantic City du copain de votre mari et de son équipe vient d'être annulé. Merci. J'ai parlé à Rodrigo. La photo du chantage le montrait au volant la nuit où Deshaun a commis le vol. Mais Rodrigo ne savait rien. Il pensait simplement déposer un ami. Vous inquiétez pas, j'ai une amie dans la police. Elle aidera Rodrigo. Surtout s'il accepte de témoigner pour le chantage. Ouais, il tue jamais les gens, Spidey. Où il apprendra qu'il a plus à craindre de moi que de Deshaun. Merci, Spider-Man. Let's go, let's go. Allez au labo d'auto. Allô? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour, tout va bien? Le première classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref, j'arrive tout de suite. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Ah, il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps? Est-ce que t'es une araignée? Parce que t'es l'araignée sympa du quartier. Tu veux aider les gens, tout ça. Tu devrais te poser, Gizmo. Ou tourner. Pose-toi, mon petit chat. À la salle d'enchères Roseman. Ce qui vous a peut-être échappé, et mes sources le confirment, c'est que les malfaiteurs portaient des masques. Des têtes horribles, démoniaques. Nouvelle illustration du raz-de-marée de criminels masqués depuis l'apparition de Spider-Man. Et vous, qu'en pensez-vous? J. Jonah Jameson, vous êtes à l'antenne. Ouais, je comprends ce que vous dites. Mais Spider-Man, il a arrêté ces types. Vous le rangez dans le même panier, juste parce qu'il porte un masque. C'est un préjugé. Faux! Une petite leçon de vocabulaire juste pour vous. Préjuger une personne signifie qu'on la juge avant de savoir quoi que ce soit à son sujet. Mais je sais tout ce que j'ai besoin de savoir sur Spider-Man. Il met la pagaille aux quatre coins de la ville. Il porte un masque pour ne pas avoir à répondre de ses bourdes et un costume tape à l'œil pour attirer l'attention sur son ego démesuré. Alors imaginons que je sois un déséquilibré et que moi aussi je veuille qu'on parle de moi dans les médias. Eh bien, je vais faire tout comme lui. Et New York court à sa perte. Ah, franchement, il pourrait la fermer.
Waouh, tu peux mettre des éclairages de fou furieux comme ça. Mais j'arrive pas à changer la couleur. Ça me met rouge automatiquement. Ouais, j'aime bien, mais là, je peux changer la position de la couleur. Descendre, monter. Ah, c'est bon. Ah! Mettre du blanc. Ah, j'aime bien le mode photo, moi. Franchement, il y a tellement de choses qu'on peut faire, c'est ouf. C'est quoi le truc en dessous là? Attendez, comment on prend photo déjà? R3. Et j'espère que ça m'a bien changé mon truc. Ok. Ouais, ouais, si comme ça. C'est comme ça, je sais pas trop quoi mettre comme miniature, j'utilise. J'utilise mes screens. Bonjour. Et moi, Peter Porker. Je faisais des miniatures à l'extérieur, je suis revenu. Ça marche comment? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes. Mais où vous allez comme ça? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais arrêtez ça immédiatement! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit, j'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes.
Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. L'autre, elle a l'air méchante. Je peux pas te cacher que la flemme de faire des miniatures différentes dans ce que faut trop... Ouais, c'est chiant. Attention, doucement. Doucement. Trop chiant. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être? Lui dire de parler à son père? Non, il n'écoute jamais. C'est pour ça que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Hé, il y a une de ces stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'Harry est en Europe. Je vais faire un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. En Europe? Harry m'a laissé un message Europe. À leur sujet avant de partir pour l'Europe. Europe ? Salut Peter, j'ai un service à te demander. Ma mère avait un projet qui lui tenait à cœur, des stations de recherche au service de la population. Je les ai lancées, mais maintenant que je suis absent, Oscorp... Ah mais c'est compliqué les miniatures, hein, c'est chiant. Que tu veux bien y jeter un œil ? J'ai laissé des notes sur chacune. Merci mec. Tant que ces stations sont là, c'est un peu comme si ma mère était là aussi. C'est pas ça qui va payer mes factures. Et on dirait que ça lui tenait à cœur. Niveau des compétences. J'ai deux niveaux de compétences. Vas-y, on met des trucs. Voilà. Mission technique, ça, on s'en fout. On va faire cette petite station de recherche. Tac. Et après, on s'arrêtera live. On aura fait de bonnes heures. La pollution de l'air. Le but, c'est d'identifier les polluants avant qu'ils n'atteignent un niveau toxique. Entre nous, je soupçonne Oscorp de souhaiter qu'on échoue pour ne pas montrer qu'eux aussi polluent. Le taux d'hydrocarbures polycycliques est beaucoup trop élevé. Et il augmente encore. Si ça continue, il pourrait y avoir des morts. Les particules se concentrent à des endroits spécifiques. Je vais traverser des mini-nuages de pollution pour récupérer des échantillons et remonter à la source. C'est pas ragoûtant, mais il va falloir que je traverse ces nuages. Pour qu'on voit ces nuages à l'œil nu, le niveau de toxine doit être sacrément élevé. C'est bien ce que je récupère. Enfin, les échantillons, pas les toxines. Je vais venir, je suis pas passé dedans, là. Saute. C'est bon. Oh, on dirait que j'ai sniffé un pot d'échappement. T'inquiète, c'est rien, c'est la rue.
toxines proviennent de deux types de voitures et d'une cheminée défectueuse. Prenons tout ça en photo. Je peux prendre la cheminée d'ici. C'est la meilleure photo de cheminée de toute ma vie. Oh ouais, c'est la street. Va la lumière sur celle-là. Ouais, la lumière de... lumière de chiasse, ouais. Parfait. Deux jetons de recherche. Cette station a permis d'éviter une vraie crise sanitaire. Oscorp pourra pas dire que les stations d'Arin servent à rien. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une mauvaise onde? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un. Est-ce que le garde a parlé? Non, malheureusement, il est mort. Celui qui lui a demandé de libérer Shocker n'a pas voulu prendre de risque. La poisse! D'après la vidéosurveillance, le garde était dans une sorte de transe. Et c'est peut-être dû à l'éclairage. La street mais représente... Que ses yeux brillaient. Un vrai film d'horreur. Bon, je vais voir ce que je peux tirer de Shocker quand je serai à la banque. On va se mettre pas loin, on va save. Et on va s'arrêter là. Ouais, va falloir pour s'arrêter. Sur un petit endroit sympathique. Peter, j'ai mené l'enquête sur les démons. Apparemment, ils ont profité du vide laissé par Fisk pour commencer à prendre le contrôle. Un vide que j'ai créé en écartant Fisk. Jameson avait raison. C'est de ma faute, Sis. Et t'étais censé faire quoi? Laisser Fisk jouer aux parrains? Tu vas bien? T'as l'air moins en forme que d'habitude. Ouais, je crois que je viens de perdre mon job. La ville, enfin, Norman, a coupé nos subventions. Oh, Pete, je suis désolée. Si Harry était là, il pourrait essayer de raisonner son père. Vous trouverez d'autres financements. Votre travail a trop d'importance. Merci, MJ. À la prochaine. Ah, j'arrive pas à me mettre sur la rambarde bien. Non, j'aime pas trop là. J'aime pas trop la vue. On va se faire une petite sauvegarde manuelle. Tac. On est à 27%, on a bien avancé quand même. On a plein de trucs à faire sur la map, on a des stations de recherche. On va avoir des trucs de défait, enfin on va avoir plein de choses qui vont apparaître sur la map. Donc ça va être plutôt cool, vous allez voir. On a la tenue négative. On se mettra un petit peu plus tard. Mais déjà, vous savez quoi? Achetez celle-là. Hop là. Alors les amis, tac, on se met vite fait sur l'écran pour se dire... un petit au revoir pour se faire une petite intro. Plutôt outro. C'est la fin. Outro. On a fait 2 heures de jeu, c'est plutôt pas mal. On a bien avancé les amis, je suis plutôt contente là d'avoir fait ces 2 petites heures de live avec vous. Franchement, c'est bien bien cool. J'aime bien ce petit jeu, franchement. J'aime bien vous proposer... ce jeu en tourne à 4h04 de jeu, ils me disent là. Donc c'est plutôt cool. C'est cool. Bien contente de faire ce petit jeu avec vous. Ouais, un petit peu plus de 4 heures de jeu. On est bien. On avance bien, franchement. Je suis bien contente. Les amis. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était bien cool.
On a bien profité. On a fait un bon petit live. On a bien joué. Franchement, c'était super cool. Donc les amis, on s'arrête ici pour ce petit live bien sympathique. Je vais extraire mes petites images, là, mes petits screens que j'ai fait pendant ma game. On se retrouve demain, les amis. Je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi, mon petit Crash. Bonne nuit, Nero. Bonne soirée à Hero. Parce qu'Hero, il dort pas encore. Bonne nuit, tout le monde. Reposez-vous bien. On se retrouve demain. Bon, allez, les petites araignées sympas du quartier. Ne tuez pas d'araignées. À moins qu'ils viennent vous attaquer. Et on se retrouve demain. À demain, tout le monde. À plus dans le bus. Ciao, ciao.